Nous sommes mardi 4 janvier 2022. Bonjour à toutes et à tous. Premier mardi du mois de janvier 2022, l'équipe de Tout Savoir Sûr est heureuse de vous retrouver pour un autre cycle de votre rendez-vous hebdomadaire d'information et de sensibilisation sur les sujets liés à l'activité gouvernementale, à l'actualité, mais également pour faire connaître un service public. Et donc, toute l'équipe Par ma voix souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022, une année de paix, une année de réussite, surtout une année de parfaite santé. Et parlant de santé, ce premier numéro de l'année 2022 est consacré à l'actualité sanitaire du moment, la COVID-19, la flambée des cas, l'apparition du variant Omicron. Nous en saurons tous tout aujourd'hui avec nos deux invités de cet après-midi. J'ai nommé le professeur Beignet Bivreau-Joseph, il est directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, et le professeur Mireille Dosso, qui est directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Merci, chers invités, d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice d'échange avec les citoyens qui nous suivent à travers les différentes plateformes, mais également la presse ici présente. Sans plus tarder, je vais m'éclipser et permettre à professeur Beignet de nous faire le point de la situation sanitaire de façon générale sur la COVID-19 avant bien entendu les échanges. Merci beaucoup. Madame la directrice du CICG, Madame la directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers internautes, au nom de Monsieur Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022 et vous remercie une fois de plus pour votre appui aux activités de notre ministère. Mon intervention portera sur deux points. Le premier point est en rapport avec la situation actuelle de la pandémie en Côte d'Ivoire. Ensuite, le deuxième point sera relatif aux dispositions de lutte qui sont prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Alors, au titre de la situation de la maladie, à la date du 3 janvier 2022, la Côte d'Ivoire dénombrait 72 777 cas confirmés de COVID-19 sur un total de 1 243 063 échantillons qui ont été analysés par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, soit 5% du taux général de positivité, dont 62 945 guéris et malheureusement 721 décès. Comme vous l'avez constaté, l'on note une hausse significative du nombre de nouveaux cas ces derniers jours. En effet, depuis le 21 décembre 2021, 10 611 nouveaux cas de COVID, soit en moyenne 758 cas par jour, ont été enregistrés, portant à 15 455 le nombre de cas notifiés depuis le 1er décembre 2021, contre 427 cas en novembre et 1044 cas en octobre 2021. Donc on remarque
qu'il y a une augmentation très significative dans ce mois de décembre. Un chiffre record a même été atteint, c'était le chiffre de 2558 nouveaux cas qui a été enregistré à la date du 31 décembre 2021. Ce qui porte à 9274 cas le nombre de cas pour le seul mois de décembre 2021, contre 1229 pour la même période de l'année dernière, soit 8 fois plus. Donc quand on compare décembre 2020 à décembre 2021, on voit qu'il y a 8 fois plus d'augmentation du nombre de cas. Cette reprise que nous pouvons traiter de quatrième vague en Côte d'Ivoire est accentuée par les festivités de fin d'année, avec l'augmentation des rassemblements, des interactions sociales, le relâchement dans l'observance des mesures barrières et la présence du variant Omicron, confirmé par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. S'il est vrai que cette situation est préoccupante, il est tout aussi vrai de dire que les structures de prise en charge ne sont pas saturées, parce que ce sont souvent des cas moins sévères comparés aux cas que nous avons connus lors de la troisième vague en août-septembre 2021. Le taux de décès ou la létalité est actuellement à 0,99%. Depuis le 1er décembre 2021, 17 décès ont été enregistrés, ce qui est loin des pics de décès observés dans le mois de septembre 2021, avec seulement pour le mois de septembre 183 décès. Au titre des dispositions de lutte, il y a entre autres la vaccination, le dépistage et le renforcement du contrôle aux frontières. En ce qui concerne la vaccination, à la date du 2 janvier 2022, 7 224 263 doses de vaccins ont été enregistrés, avec 2 042 906 personnes complètement vaccinées. Le défi actuel de la vaccination est de maintenir la performance afin d'atteindre 70% de la population vaccinée, mais surtout d'améliorer le taux de couverture vaccinale pour les personnes porteuses de pathologies chroniques en améliorant le score des personnes complètement vaccinées. Le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit avec 15 millions de doses reçues à ce jour, et cela permettra la vaccination ininterrompue des populations. En termes de dépistage, l'on note le dépistage systématique de tous les voyageurs arrivant en Côte d'Ivoire avec des tests antigéniques depuis le 23 décembre 2021. Depuis cette date donc, ce sont 20 000 personnes qui ont été dépistées à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce dépistage s'est effectué également à l'occasion des concerts et autres rassemblements pendant cette période de fête. Pour conclure, le point épidémiologique actuel note une recrudescence de cas qui en appelle à la vigilance de tous, avec trois recommandations importantes. Premièrement, se faire vacciner
en cas de présentation de signes de la maladie et éviter l'automédication et autres pratiques qui pourraient se révéler nuisibles pour la santé. Deuxièmement, se faire vacciner et inviter son entourage à en faire autant. Troisièmement, continuer à observer les mesures barrières même quand on est vacciné. Je vous remercie. Merci, professeur Beignet, pour déjà toutes ces informations, ces premières informations que vous venez de nous donner sur le point de la situation sanitaire de façon globale sur la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les journalistes, professeur Beignet vous a parlé. Je sais que vous avez énormément de questions, mais également ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes de relais de cette activité. Je voudrais donc profiter pour remercier tous ceux qui nous ont déjà transmis leurs questions, préoccupations sur la thématique quand le poste a été fait le jeudi dernier. Mesdames et messieurs les journalistes, si vous avez des questions, on va en prendre. Je vous ai indiqué que le professeur Mireille Dosso est avec nous. Donc, toutes les questions qui seront en rapport avec le variant Omicron et tout ce qui va avec seront traitées par professeur Mireille Dosso. Et professeur Beignet-Bi prendra le relais pour toutes les autres questions sur la thématique. Le micro, s'il vous plaît. Donc, même principe, déclinez votre identité, l'organe de presse et votre question. Je m'appelle Kone Souleymane. Je suis journaliste à Kouassi.com. Je vais savoir, professeur Mireille Dosso, il y a eu combien de cas d'Omicron enregistrés en Côte d'Ivoire? On parle de Covid, il y a combien de cas d'Omicron en Côte d'Ivoire? Deuxième intervenant, oui. Moi, c'est Bienvenu Koffi. Je suis au journal Le Bélier. Je voudrais savoir un sujet à qui on a vacciné, Pfizer. Est-ce la prochaine vaccination, s'il n'y a pas de Pfizer, est-ce qu'ils peuvent se vacciner avec AstraZeneca, par exemple? Et ensuite, aujourd'hui, on constate que les mesures sanitaires ne sont plus respectées. Alors, bon, plus précisément dans le milieu des transports, même dans nos maquis et autres. Est-ce que l'État à des décisions à prendre pour mettre fin à ça. Merci. Merci. Troisième intervenant. Alors, je me présente, je suis Benjamin Bassolé de l'agence ivoirienne de presse AIP. Tout à l'heure, le professeur Béni a fait cas de 15 millions de vaccins qui ont été reçus. On disait ici qu'on avait une disponibilité vaccinale. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a combien 2 millions de vaccins comme réserve pour vacciner la population. Et puis la deuxième question à professeur Mireille Dosso, quelle est la particularité du variant Omicron? Sa dose, sa densité au niveau de la dangerosité, voilà, par rapport à d'autres variants que nous avons connus, Delta et tout ça. Merci. Merci. Donc nous allons terminer déjà ces trois intervenants. Permettre à nos intervenants de traiter ces questions et puis pour une deuxième va, nous prendrons aussi bien les questions de nos amis internautes qui nous ont déjà adressées puis on continuera avec vous les journalistes. Donc nous allons commencer avec le professeur Dosso pour la question, pour les questions sur le variant. Combien de cas COVID-19 sous le variant ont été enregistrés? Et la deuxième question, toujours sur le variant, quelle est la particularité de ce variant? Comment cela se manifeste? Cette question est revenue énormément dans les préoccupations des internautes. Pour ça. Merci beaucoup pour l'invitation à cette activité d'échange. Merci aussi pour les questions concernant le nouveau variant. Peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais quand même apporter quelques informations. Lorsque nous avons élaboré le plan national de riposte contre la COVID en 2020, nous avons prévu dans ce plan de pouvoir faire l'étude génétique
des différentes souches, comme on dit chez nous, de ce virus dans la population. Donc le gouvernement a pris des dispositions pour financières et techniques, bien sûr, pour qu'un laboratoire de séquençage, comme on dit, à haut débit, soit installé donc à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Donc ce laboratoire de séquençage, dont le montant s'élève à 1,5 milliard de francs CFA, infrastructures comprises et équipements, est fonctionnel depuis le mois de juillet 2021. Et donc depuis ce mois de juillet 2021, nous avons commencé à faire l'étude des variants qui circulent en Côte d'Ivoire. Jusque la troisième épidémie qui s'est donc produite au cours du mois d'août à septembre est essentiellement due au variant Delta, dont vous avez tous entendu parler. Et comme l'a dit le professeur Beignet, ce variant Delta a fait plus de décès que les deux autres vagues épidémiques. Et nous avons continué à faire les séquençages jusqu'à la mi-décembre. Et jusqu'à la mi-décembre, c'était donc essentiellement le variant Delta, mais il y a d'autres variants, beaucoup d'autres variants qui circulaient. Mais jusqu'au 15 décembre, il n'y avait pas de détection de variant Omicron. À partir donc de ce 15 décembre-là, puisque vous avez vu l'augmentation significative des cas, on s'est aperçu qu'il y a donc une émergence de variants Omicron. Et sur 134 échantillons à tester, on a eu 78 échantillons positifs pour le variant Omicron. Donc ça répond à votre première question sur le nombre de variants Omicron. C'est le nombre de variants trouvés dans une série, bien sûr. C'est pas dans tous les malades analysés. Parce que ça prend quand même 15 jours pour faire l'analyse d'un échantillon. Donc oui, effectivement, on n'a pas échappé à l'émergence du variant Omicron en Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays d'ailleurs de la sous-région. Mais l'Ivoirienne qui réalise donc ces détections de variants. Ça, c'est très important parce que c'est un effort financier et scientifique qui a été fait par la Côte d'Ivoire et les partenaires au développement. Concernant les particularités de Omicron, eh bien, sa particularité première, c'est qu'il est beaucoup plus transmissible. Et il est beaucoup plus transmissible parce que les mutations qui sont dans ce variant lui permettent de rentrer plus facilement des cellules et donc d'infecter plus rapidement tout le monde. Donc comme il est plus transmissible, ça se voit, on voit le nombre de nouveaux cas augmenter de façon significative, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on constate aussi? Que bien qu'il soit plus transmissible, il semble moins virulent. Mais moins virulent, c'est quelque chose qui est tout à fait relatif. Ça dépend des personnes qui sont infectées, ça dépend des antécédents, ça dépend de l'état de santé, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà ce que je pourrais répondre à ces deux questions. Merci, professeur. Nous allons poursuivre avec le professeur Beignet pour les trois autres questions portant sur les autres aspects de la maladie. Merci beaucoup. À Fratmat, c'est ça? C'est Fratmat, la personne qui a posé la question sur la mutation Pfizer-Astra. Le bélier, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Alors, par rapport à Pfizer, vous vous souvenez qu'à un moment donné, quand nous étions en rupture de vaccin Astra, c'était dans le mois de mai, juin, on a été obligé d'utiliser, pour ceux qui avaient été vaccinés avec AstraZeneca, on a été obligé d'utiliser le vaccin Pfizer. Ça, c'est vrai. Ça a été confirmé, ça a eu un effet bénéfique,
L'effet bénéfique de cette combinaison a été démontré par des études qui ont été faites en Angleterre, en Espagne, et qui ont montré que ça potentialisait même le taux d'anticorps quand on passait de Astra à Pfizer. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ça, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. Donc, on peut faire Astra, Pfizer, mais on ne peut pas faire l'inverse pour l'instant. Voilà. Et on a la chance qu'on a tous les vaccins. Donc, ça ne s'impose pas pour nous actuellement. On a des vaccins Pfizer qu'on en a d'AstraZeneca. Donc, pour le moment, si vous avez commencé avec Pfizer, vous avez la latitude de continuer avec Pfizer. On a encore des vaccins Pfizer. Alors, vous dites, les mesures barrières ne sont plus respectées. Qu'est-ce que l'État décide? Alors, c'est une décision. Vous savez, les décisions, dans le cadre de cette pandémie, les grandes décisions sont prises par le Conseil national de sécurité. Et vous avez écouté les recommandations du dernier Conseil national de sécurité à la date du 9 décembre. Donc, c'est chaque fois que la situation s'impose, le Conseil se réunit et prend des décisions. Donc, il revient à nos autorités de prendre ces décisions. Et je pense qu'en temps opportun, selon la saine appréciation qu'elles vont faire de la situation, si la décision s'impose, elles la prendront vraiment sans problème. Oui, mais les cas augmentent. Mais ce qu'on vous a dit aussi, c'est que pour le moment, ce n'est pas des cas qui sont graves. Ça, je l'ai précisé tout à l'heure pour la plupart, en tout cas, ce n'est pas des cas graves. Et est-ce que l'effet d'Omicron fait qu'on a des cas qui sont légers? Je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une bonne partie de la population qui est vaccinée. Et donc ça peut expliquer que les cas qu'on rencontre soient des cas qui ne sont pas graves pour la plupart. Donc je pense que les autorités apprécient la situation et si ça s'impose, elles prendront la décision qui s'impose. Voilà. Combien de doses en réserve? Alors, je vais vous dire comme ça qu'on a au moins 7 millions de doses qui sont en réserve. Donc, on en a suffisamment encore pour vacciner pendant un bon moment. Et il y a encore des doses qui arrivent. Pas plus longtemps que, je crois, la semaine dernière, on a reçu des vaccins. Et on va continuer comme ça à en recevoir. Donc, faut pas que la population se cache derrière le fait qu'il peut y avoir risque de rupture et puis ne pas se faire vacciner. Hein? Les vaccins, là, il y en a suffisamment pour tout le monde. Venez vous faire vacciner. C'est le message qu'on donne. Il faut venir se faire vacciner. Ceux qui ont déjà reçu leur première dose et qui ont oublié même qu'ils doivent se faire vacciner pour la deuxième dose, qu'ils viennent pour faire leur vaccination. Parce que quand vous avez fait deux doses, ça renforce davantage votre immunité. Mais si vous avez fait une dose, c'est comme si vous n'avez pas fait grand-chose. Donc ceux-là, on les appelle. On leur demande de venir se faire vacciner. Et ceux-mêmes qui n'ont pas été vaccinés, qui traînent encore les pieds, mais pas, il faut qu'ils viennent se faire vacciner. Je crois que c'est trois questions qui m'étaient destinées. C'est bon? À tout à l'heure. Merci. Merci pour ça, cher ami. On reviendra à vous tout à l'heure pour la suite. Il faut qu'on vous entende. Parce que quand vous parlez sans le micro, tous ceux qui nous suivent n'arrivent pas à entendre votre question. Donc, la deuxième série, je vais remonter les questions de nos amis internautes, surtout sur le volet variant. Donc, ce sera le variant Omicron, ce sera les questions adressées au professeur Mireille Dosso. Tout à l'heure, vous indiquiez que le variant Omicron était plus transmissible, mais moins virulent. Mais bon, c'était aussi selon. Donc, la question qui nous revient, c'est est-ce que la vague de courbatures, de grippe, de rhume, de palu que les populations enregistrent en ce moment, est-ce que cette vague-là est liée à ce variant Omicron? Cette question est revenue plusieurs fois, ce qui nous amène à vous demander quels sont les signes de la COVID-19 avec le variant Omicron, s'il y a des différenciations.
Une autre question qui nous est revenue toujours sur le variant. Est-ce qu'une personne qui a déjà fait la maladie, qui est guérie, mais qui n'a pas encore fait son vaccin, est-ce que cette personne-là est plus exposée à ce variant Omicron? Donc, est-ce qu'il y a une question encore sur le variant Omicron avec nos amis journalistes? On va les enregistrer pour le professeur. Et bon, ça a déjà été pris en compte. Donc, elle répond à ces questions et puis après, on reviendra au professeur Bénet. Merci beaucoup. La question revient très souvent. Les personnes disent que non, ils sont courbaturés, ils ont mal partout, ils ont la grippe. Et il y a d'autres qui disent, je fais un paludisme à répétition. Donc, ça veut dire que les signes de la maladie actuellement sont très variables. Il y a des gens qui ont seulement mal à la tête. Donc, les signes sont très variables. Il y a moins de signes pulmonaires que dans les vagues précédentes. Et donc, on dit chez nous que ce sont des formes qui ressemblent à des grippes. Mais j'ai un de mes collaborateurs, le docteur Cadio, qui, en plus de ses activités Covid, fait la surveillance nationale de la grippe. Il y a donc des sites sentinelles pour recueillir les échantillons de personnes qui sont suspectes d'être des grippes. Et quand il reçoit ces échantillons-là, il fait deux choses. Il fait le diagnostic des virus de la grippe et il fait le diagnostic du virus SARS-CoV-2. Et il a constaté que tout au long de l'année 2021, il y a une plus grande quantité des soi-disant grippes qui sont en fait des Covid. Donc, pour être sûr que ce n'est pas une grippe, il faut faire un diagnostic de laboratoire, parce que les signes cliniques actuellement sont des signes qui sont très variés. Donc, les personnes qui sont courbaturées, qui ont mal à la tête, qui ont mal à la gorge, etc., il vaut mieux se rendre dans un centre de dépistage du Covid, de la Covid, avant de dire qu'on a la grippe ou bien, etc. Je crois que la deuxième question, c'était, on a fait le Covid, voilà, et est-ce qu'on peut faire Omicron? Oui. Même si on n'est pas vacciné contre la grippe, on peut faire la grippe, et puis l'année suivante, on refait la grippe, et ainsi de suite. Donc, ce sont des virus respiratoires, donc qui sont facilement transmissibles. Mais si on est vacciné, j'insiste avec le professeur Beignet, si on est vacciné, qu'on rencontre le SARS-CoV-2, on fera une forme moins grave, avec moins de complications et peu de chances d'aller en réanimation, c'est ça qui est là. Ça évite énormément les complications. Et puis il y a quelque chose qu'il faut encore dire également concernant la vaccination, c'est que plus un virus circule, plus vous allez avoir de variants. Moins un virus circule, moins vous aurez émergence de nouveaux variants. Parce que si le virus rencontre des anticorps, il a des difficultés pour se multiplier. Et s'il a des difficultés pour se multiplier, il a aussi des difficultés s'il rencontre des obstacles, notamment les anticorps, sa multiplication sera ralentie. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il faut vraiment se vacciner. Merci, professeur. Troisième série, donc les questions pour le professeur Beignet-Bi. Okay. On peut les enregistrer maintenant. Merci beaucoup. Martha Kissi, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Professeur, tout à l'heure, vous parliez de décès, de pics de décès enregistrés en septembre. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des cas dus au vaccin, puisque la Côte d'Ivoire a réceptionné différents types de vaccins? Donc, parmi ces cas, est-ce qu'on a eu des décès dus au vaccin?
Merci. Vous pouvez passer le... Ah oui, il avait souhaité poser la question. Bon, monsieur le professeur, je m'adresse à vous une nouvelle fois. Je voudrais savoir, quelqu'un qui a fait sa première dose et on lui donne rendez-vous dans 2 mois et il n'a pas respecté le délai de rendez-vous, est-ce que ça peut causer problème pour le prochain vaccin? Merci. Ok, vous pouvez lui passer le micro. Bonsoir, c'est Fumseke Koulibaly, Le Quotidien, Le Nouveau Réveil. Alors, le professeur a parlé tout à l'heure de dépistage qui a eu lieu au niveau des concerts en cette fin d'année. Il y a Tikenja qui était en concert au Djéné, Nguyen était en concert, parlé de la culture le dimanche, Bassam, tout ça. Bon, on a un correspondant qui a dit qu'il n'y a pas eu assez de matériel suffisant pour faire le dépistage, comme il avait dit dans le propos liminaire. Alors, comment pouvez-vous interpréter cela? Il n'y a pas eu assez de matériel suffisant pour faire le dépistage. Ok, donc ça fait les 3 intervenants pour les questions adressées au professeur Beniebi, à qui je cède le pupitre pour les prendre en compte. Merci beaucoup. Donc, Radio Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a eu des décès dus aux différents vaccins qu'on a utilisés? Non, on n'a pas eu de décès aux différents vaccins. Je peux vous dire, cependant, comme tout vaccin, il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Il y a eu des effets secondaires. Quand je dis beaucoup, c'est relatif. Parce qu'on a eu plus de 1000 cas d'effets secondaires, mais c'est vraiment des effets secondaires légers, pour la plupart. Les effets secondaires graves, on en a eu peut-être 23, mais il n'y a pas eu de décès. Quelqu'un qui a fait une première dose et puis qui n'a pas attendu. Lors de la deuxième dose, la date de la deuxième dose étant arrivée, il n'a pas respecté cette date et il est allé, bon, il a attendu plus loin. Non, il n'y a pas, on n'est pas à un jour près. Il y a ce qu'on appelle la mémoire immunitaire qui est là. Et donc, quand vous avez fait la première dose, c'est pourquoi jusqu'à présent, vous voyez qu'il y a des gens même qu'on a vaccinés il y a 6 mois, on continue de courir derrière eux. Parce que quand vous avez reçu le vaccin, il y a un taux d'anticorps que vous produisez qui est là, qui est latent. L'intérêt de la deuxième dose, c'est de booster ce taux d'anticorps qui est là, qui est latent. Donc, mais évidemment, il ne faut pas attendre indéfiniment. Hein. Il faut bien le faire dans un délai raisonnable. Voilà. Donc, un jour près, ce n'est pas grave. Un mois, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas attendre davantage. C'est ce que je dirais. C'est mieux d'enchaîner selon le délai parce que si le fabricant a bien voulu que ce soit un mois, c'est bien parce que ça a un intérêt. Donc, il faut faire en sorte de rester dedans. Mais en revanche, il n'est pas conseillé à quelqu'un de venir faire la vaccination avant la date de la deuxième dose. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous dit que vous avez un rendez-vous dans 3 mois, ce n'est pas la peine de venir dans 1 mois. Vous allez faire une dose qui ne sera pas très, très utile. Parce qu'il faut attendre que le taux d'anticorps monte suffisamment pour pouvoir booster ce taux d'anticorps-là. Vous avez dit qu'à l'occasion des différents concerts qu'il y a eu, il n'y avait pas suffisamment de matériel. Oui, c'est vrai, on n'était pas très préparé et la décision a été prise le jour même du 31. Donc ça ne nous a pas permis de bien nous préparer, mais je pense que progressivement, on est en train d'intégrer. Mais on demande surtout aux différents districts sanitaires de pouvoir s'impliquer dans ce dépistage. C'est-à-dire, si vous faites un événement, vous organisez un événement dans un espace, dans un district, ce serait bien de vous adresser au district sanitaire de l'espace pour pouvoir couvrir l'événement. Je pense que c'est plus adapté et c'est ce que nous essayons de faire. Merci. Merci, professeur José. Les questions pour le professeur Beignet ou les questions avec les journalistes? Vous avez des questions pour le professeur ou les questions pour
Ok, donc je vais remonter au professeur Béni. Je souhaitais lui poser ces questions pendant qu'il était là. Non, prenez le micro de l'autre côté. Ok. Professeur Béni, je veux savoir. Comme d'habitude. Mmh. Donc, je signale donc ces questions-là, c'est la dernière série de questions adressées au professeur Beignet. Après, la dernière sera pour l'autre série sera pour le professeur Dosso, on aura fini. Ok, merci. On vous écoute. En fait, vous avez répondu à une question de l'espace atmosphérique. Cette personne qui on ne vous entend pas. Oui, la personne qui a la grippe aujourd'hui, est-ce que c'est lié forcément à la COVID? Ils ont la grippe. Ils ont le palu, puis ils ont la gorge sèche. Est-ce que c'est lié à la COVID? Si, on ne comprend plus rien. Si c'est la COVID. Ok, il a enregistré. Une autre question pour le professeur Beignet. Sinon, j'en ai pour le professeur Beignet. Concernant la question du pass sanitaire, je vais dire que toutes les questions en rapport avec Omicron, on reviendra pour ce dossier, mais les questions concernant le pass sanitaire. Donc on nous demande comment faire pour l'obtenir des personnes qui ont déjà leurs deux doses, comment faire pour obtenir un pass sanitaire. Toujours sur la question du pass sanitaire, comment prouver quand on s'est fait vacciner lorsqu'on perd sa carte de vaccination. Toujours sur cette même question, on revient sur une question qui va déboucher sur une autre, la question de troisième dose. Est-ce qu'il y aura une troisième dose en Côte d'Ivoire? Nous avons enregistré énormément de questions. Donc, sur la question du pass, je vais m'arrêter là. Je pense que les autres questions qui arrivent seront pour... le professeur Dosso. Maintenant, bien entendu, s'il y a une question qui arrive et qu'on est dans le temps, on viendra. Professeur, il faut venir. Alors, par rapport à la question sur la gorge sèche qui est irritée, je pense que le professeur Dosso a dit clairement, elle avait répondu à cette question. Hein. Oui, elle a répondu à la question. Aujourd'hui, certains de vos collègues ont titré vague de grippe, d'épidémie de grippe à Abidjan. Vous vous souvenez? On a vu ça, on a vu des titres comme ça. Et le professeur Dosso vous rassurait tout à l'heure. Avec l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, l'Institut national du jeune public a mis en place un système de sites de surveillance avec des sites sentinelles. On en a 9 comme ça, dont 5 à Abidjan, et non, 4 à Abidjan, et puis 5 à l'intérieur du pays. Et dans ces sites-là, on fait des prélèvements régulièrement. En consultation, quelqu'un qui vient consulter pour des signes et faisant évoquer la grippe, systématiquement, on lui fait un prélèvement. Et puis... dans les structures, on fait des prélèvements aussi, 3 à 4 prélèvements. Et tous ces prélèvements sont acheminés à l'Institut Pasteur, qui en même temps vérifie, enfin analyse pour voir si vraiment c'est des virus grippaux ou bien si c'est la COVID. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que justement, ce travail-là nous permet d'avoir les virus qui sont à l'origine des cas de grippe chaque année. Et Mme Dosso fait acheminer ces virus-là à l'OMS et c'est à partir de ces virus qu'on fabrique les vaccins de grippe chaque année, Mme Dosso. Oui, donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment très important. Donc, il y a une surveillance qui est assurée régulièrement. Bon, cette année... En tout cas, en cette période-là, tout le monde, enfin, les gens ont parlé de nombreuses personnes se sont plaintes de ces signes-là. Mais la première des choses à faire, c'est d'aller se faire dépister contre la COVID. C'est ça qui est important. Hein?
Et jusqu'à présent, on n'a pas la preuve qu'il y a une épidémie de grippe à Abidjan pour le moment. Donc, c'est vraiment l'assurance que je voulais vous donner. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, si quelqu'un a des signes, c'est-à-dire évoquer la grippe, étant donné que la grippe et la COVID-19 ont pratiquement les mêmes signes, il faut aller se faire dépister. Il faut aller dans un centre de dépistage, se faire dépister pour la COVID. Et une fois qu'on vous a dépisté, si ce n'est pas la COVID, bon, vous pouvez faire évoquer d'autres pathologies. Mais il faut surtout consulter. C'est ce qui est important. On a vu aussi sur Internet des recettes qui disent qu'on peut prendre telle chose. Hein, il faut qu'on fasse très attention à ça. L'automédication, ça peut avoir des conséquences. Je l'ai dit tout à l'heure dans le propos liminaire. Donc, c'est mieux de consulter un médecin pour avoir le bon diagnostic. Le pass sanitaire, comment l'obtenir? Alors, le pass sanitaire, pour celui qui a été vacciné et qui n'a pas... qui a perdu sa carte. Qui a perdu sa carte. Voilà, qui a perdu sa carte. Celui-là, soit il va sur le site vaccination.com, je l'ai dit la dernière fois, soit il se rend dans le centre où il a été vacciné, parce que là où on a vacciné, on a établi des fiches d'identification. Donc, on peut retrouver les traces de sa vaccination et puis le vacciner pour la deuxième dose. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comment l'obtenir, le passe sanitaire? Donc, si vous avez été vacciné normalement et que ça a été enregistré avec les tablettes, comme on le fait systématiquement, ça vous sort votre attestation, votre certificat de vaccination. Mais si tel n'est pas le cas, c'est mieux de vous rendre dans le site de vaccination. Actuellement, même au niveau du parc des sports, on a dédié un site, un local, un box pour récupérer tous ceux qui n'ont pas pu faire enregistrer leur vaccination pour qu'ils puissent avoir leur passe sanitaire. Vous venez avec votre carte, avec les deux doses, on vous enregistre et ça vous génère en même temps votre certificat de vaccination. Alors, il reste une dernière question. La troisième dose. Alors, la troisième dose, c'est... Aujourd'hui, c'est évoqué par tout le monde. Il y a même certains pays qui sont à la quatrième dose. Vous le savez très bien. Mais nous, il faut le reconnaître, nous n'en sommes pas à la troisième dose comme une priorité. Non. Pour le moment, notre priorité à nous, là, c'est que les gens qui ne sont pas vaccinés, il faut les vacciner. Deuxième priorité, ceux qui sont vaccinés, qui n'ont pas fait la deuxième dose, il faut qu'ils viennent se faire vacciner. Si les gens qui ont au moins deux doses, qui ont les deux doses, si leur taux de couverture est élevé, je pense que pour un pays comme le nôtre, c'est déjà un grand pas. Maintenant, si la troisième dose s'impose, c'est vraiment au cas par cas. Je veux dire, si quelqu'un s'en va dans un pays où on exige la troisième dose pour son entrée, on peut lui faire la troisième dose. Des personnes qui sont âgées, qui présentent, qui sont plus à risque par rapport à certaines pathologies qu'elles portent, on peut leur faire la troisième dose. Sinon, ça ne doit pas être l'apanage de tout le monde. Merci. Merci, professeur Beignet. Dernière série de questions pour le professeur Mireille Dossot. La question des enfants. On me demande, est-ce que les enfants de 5 ans sont aussi vecteurs du variant Omicron? Est-ce qu'ils sont toujours contagieux? Et est-ce que ces enfants-là doivent aussi faire des tests? Donc, voici les questions qui sont revenues sur la question des enfants. Et puis, la question des vaccins, qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que les vaccins que nous avons actuellement sont appropriés pour... cette nouvelle variante? Question revenue plusieurs fois. Donc, c'est les deux dernières questions que nous avons enregistrées sur l'aspect variant Omicron. Je ne sais pas s'il y a une autre question là-bas. Une dernière question sur le variant. Sur le variant. OK, une dernière question. On aura bouclé avec le variant, donc avec l'intervention du professeur Dossot après vous. OK. Le micro pour le collègue, s'il vous plaît. Alors... Votre nom, l'organe de presse que vous représentez, et puis votre question. Williams Akire, NCI. Okay.
Alors donc, tout à l'heure quand je venais, j'ai une collègue qui me disait, pendant les fêtes, j'ai eu pas mal de coups battus, j'ai eu une grippe, j'ai eu la toux, j'ai eu un mal de gorge. Elle a de façon naïve assimilé ça au Micron. Est-ce qu'on peut dire que ça ressemble à ça aussi au Micron? La question phare. Est-ce que ça ressemble à ça? Merci. Pour ça, Dosso? Non, j'ai dit la dernière, c'est la série pour ça, Dosso. Merci. Pour ça. Vous savez, pour savoir si vous êtes infecté par le virus du sida, vous vous rendez dans un laboratoire pour qu'on vous fasse un test. Et c'est le test de laboratoire qui va dire si vous êtes infecté ou non par le VIH. Il n'y a aucune personne actuellement à qui on voudra dire parce qu'il a perdu du poids ou bien parce qu'il, etc., qu'il est infecté par le VIH. Lui-même, il ira dans un centre pour se faire dépister, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose. Pour savoir si j'ai la grippe, ce n'est pas parce que j'ai des signes qui ressemblent à la grippe que j'ai la grippe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de virus respiratoires. Il n'y a que certains qui sont connus par nous tous, mais il y a énormément de virus respiratoires. Donc, pour savoir si on a la grippe, en fait, c'est-à-dire si on est infecté par le virus influenza A, cette réponse-là, c'est seulement le laboratoire qui peut vous le dire. Tout à l'heure, le professeur Beignet vous a dit qu'il y a une surveillance sentinelle de la grippe, parce qu'on a besoin de savoir quels sont les virus grippaux qui circulent en Côte d'Ivoire pour savoir pour la vaccination de l'année suivante. Pour savoir si cette soi-disant grippe ou ces soi-disant signes-là sont du Covid, il faut tout simplement aller faire le test de laboratoire. Tout simplement, c'est le test de laboratoire, c'est le test antigénique, mais surtout la RT-PCR qui vont vous dire si vous avez la Covid ou pas. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signes qui ressemblent à de la grippe actuellement, dans la période où nous sommes, c'est du Covid. Il faut pas se cacher. Actuellement, quand quelqu'un tousse, quand il a mal à la gorge, quand il ne se sent pas bien, dans 95% des cas, c'est du Covid. Et le seul moyen pour le savoir, c'est d'aller faire le test. Si vous connaissez le résultat de votre test, vous allez vous protéger pour ne pas vous réinfecter avec une autre souche, mais aussi vous allez protéger votre entourage. Les personnes qui travaillent avec vous aussi, c'est pour ça. Donc, une fois pour toutes, dans la période où nous sommes, c'est le Covid. Ça ressemble à la grippe, au signe de la grippe, mais c'est le Covid. La question qui m'a été posée sur les enfants, oui, les enfants peuvent être contaminés par le SARS-CoV-2, pas par le Covid, mais par le SARS-CoV-2, parce qu'on est contaminé par le SARS-CoV-2. Le Covid, c'est la maladie. Oui, tous les enfants peuvent être contaminés par le SARS-CoV-2, comme n'importe quel virus respiratoire. Mais dans les premières phases, les enfants étaient moins concernés par la maladie, faisaient moins la maladie, sont porteurs. Donc c'est pour ça qu'on a éloigné les enfants des personnes de plus de 60 ans qui pouvaient, eux, faire un Covid sérieux, grave. Donc à l'heure actuelle, les enfants sont porteurs de ce Covid-là, de ce SARS-CoV-2, mais il y a un petit nombre seulement qui fait la maladie. Cependant, au cours de cette infection à Omicron, dans les pays occidentaux, il y a plus d'enfants qui font la maladie Covid que pendant les autres vagues épidémiques. Mais souvent, ce qu'on dit aujourd'hui, là, c'est vrai pour aujourd'hui. C'est demain qu'on voit si c'est vrai, si ça se confirme. Maintenant, concernant les tests à faire chez les enfants. On peut faire les tests chez les enfants. Les tests peuvent être positifs, mais l'enfant ne sera pas malade. Si je prends l'exemple de ma petite fille qui a 13 mois, comme la famille, il y avait une circulation du virus, tout le monde a voulu qu'on fasse pour elle. On a fait. Elle était positive, mais elle n'a rien fait, elle a continué à jouer, etc.
Mais ça, on ne peut pas prévoir. Parce que si vous avez un enfant qui a une pathologie sous-jacente ou quelque chose comme ça, ça c'est autre chose. Maintenant, concernant les vaccins chez les enfants, c'est pas tout à fait à moi de répondre à cette question, mais ce que je sais, c'est que les doses qui sont en Côte d'Ivoire sont des doses pour les adultes. Parce qu'il y a des doses particulières moins dosées pour les enfants. Pour Sabinier, nous allons terminer les échanges avec vous. Une dérogation, il y a un journaliste, un de nos confrères qui n'a pas pu faire le déplacement, mais bon, qui nous a envoyé sa question via WhatsApp. Donc ces deux questions portent sur l'arrêté exigeant des tests antigéniques à l'entrée des grands rassemblements. Le journaliste pose la question de savoir est-ce que le ministère a suffisamment de tests antigéniques pour couvrir l'ensemble du territoire national pour que cette mesure soit vraiment réalisable sur le terrain. Et puis, la dernière question porte sur la contamination des enfants. Ce collègue-là nous indique qu'il y a un constat que certaines écoles ont fermé parce que des élèves auraient, des cas de COVID auraient été signalés dans ces écoles-là. Est-ce que c'est une précaution qui est recommandée par les autorités? Est-ce que... L'autre question qui vient après ça, est-ce qu'il y a des mesures pour lutter contre la COVID-19 dans les établissements scolaires? Ce sont les deux dernières questions qui ont été enregistrées pour vous cet après-midi. Donc, après ces deux dernières questions, on aura, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Je dois dire qu'on est là pour ça. Donc, autant il y aura de questions, Madame Dossou et moi, on sera disposés à y répondre. Donc, concernant les tests à l'occasion des rassemblements, il faut dire qu'un test est adapté à une situation. Le test a été pris à l'occasion de cette flambée qu'il y a eu. Et on va le pratiquer pour le moment. On a les réactifs et si ça s'impose, l'État va en commander. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera dans le délai, dans un délai raisonnable. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on puisse arrêter quand la situation va s'améliorer. Mais évidemment, le principe de tester, c'est pas forcément de prendre 10 000 personnes dans un stade. Ce n'est pas possible. Donc, ce sera des tests qu'on pourra faire selon des stratégies qu'on aura adoptées. Par exemple, on peut prendre un lot, prendre un autre lot, on peut faire de cette façon. Donc, et on adopte la stratégie en fonction de l'espace et de la situation. Et donc, il faut dire que pour le moment, en tout cas, on peut faire les tests. On a commencé à faire la promotion des tests antigéniques et je pense que ça marche bien. Je vous ai dit qu'à l'aéroport, on était déjà à 20 000. Donc, on a encore des tests. On peut se permettre d'en faire si la situation s'impose. Ben, ce n'est pas parce qu'on aura des tests qu'on ne va pas observer les mesures barrières. Ceux qui observent et ceux qui organisent ces différents rassemblements, l'idéal, c'est d'observer la distanciation. C'est ça qui est important. Porter les masques. On ne va pas... tester 10 000 personnes. Ça, je le dis, ce n'est pas possible. Dans un événement, ce n'est pas possible. Alors, les cas de COVID... la dernière question, c'était quoi? Dans les établissements. Oui, on a vu que depuis hier déjà, nos centres ont été pris d'assaut par des écoles qui ont demandé à aux parents d'élèves de n'admettre les enfants à l'école que sur présentation d'un certificat COVID négatif. Je pense que ce n'est pas ce qui est demandé. Le principe, s'il y a un cas, autour du cas, les cas contacts, on les dépiste. Mais on ne va pas demander à une école, toute une école, de faire dépister tous les enfants avant de venir, surtout s'il n'y a pas eu
de confirmation de cas au préalable. Même s'il y a eu des confirmations de cas, ce n'est pas toute l'école. Dans une classe, ceux qui sont en contact direct avec ceux qui ont été infectés, c'est eux qu'on dépiste. Et c'est comme ça qu'on procède. Mais on ne demande pas de dépister toute une école. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Merci, professeur. Comme je l'ai dit, c'est la dernière intervention, professeur. Vous allez... C'est la dernière intervention, donc nous sommes dans un exercice de pédagogie comme on le fait habituellement. Votre message de fin pour ce premier numéro de Tout savoir sur de l'année 2022 sur la question de la COVID-19. Le message de fin, c'est le message que j'ai donné au cours de l'exposé liminaire. C'est les trois points importants sur lesquels je voudrais revenir. Si vous présentez des signes, vous avez mal à la gorge, vous avez une fièvre, vous avez le rhume, il faut vous faire dépister. Il faut aller dans un centre de dépistage pour vous faire dépister. Ne restez pas là à prendre du gingembre, mais à prendre du coutoucou sous prétexte que ça va arranger la situation. Bien au contraire, ça peut aggraver la situation. Donc, il faut vous faire dépister. Deuxième chose, il faut vous faire vacciner. Ceux qui sont encore réticents, je leur dis que le vaccin est efficace. On a vu les effets aujourd'hui chez nous. La preuve, les cas qu'on a actuellement là, c'est des cas qui ne sont pas graves, dont le vaccin est passé par là. Ça, c'est déjà un effet bénéfique. Et on a vu aussi ailleurs, dans les autres pays, donc le vaccin, il est efficace, il est sûr, il faut le faire. Mais je vous dis en même temps que ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne pouvez pas faire la COVID. Vous pouvez faire la COVID, vous allez faire la forme légère, la forme mineure, la forme moins grave. Troisièmement, même si vous êtes vacciné, il faut respecter les mesures barrières. Deux mesures valent mieux qu'une mesure. Il faut respecter les mesures barrières. Et je pense que c'est à ce prix-là qu'on peut s'en sortir. Je voudrais vraiment savoir compter sur vous, vous les journalistes, pour que vous répercutiez surtout la bonne information auprès de la population, qui est abreuvée de beaucoup d'informations qui ne sont souvent pas de bonne qualité. Donc, donner la bonne information à la population pour qu'elle soit rassurée et qu'elle puisse se faire prendre en charge pour la vaccination et pour le dépistage. Je vous remercie. Merci, professeur Beignet-Bivreau-Joseph. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Et à vos côtés, aujourd'hui, nous recevions le professeur Mireille Dosso, qui est directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Avec vous deux, nous avons parlé de la COVID-19, du variant Omicron et de toutes les autres thématiques sur la COVID-19. Merci à vous, mesdames et messieurs les journalistes, d'avoir effectué le déplacement ici afin de relayer, comme le professeur Beignet l'a dit, la bonne information. À vous, les internautes qui nous suivez tous les mardis sur les plateformes du gouvernement pour Tout savoir sur. Merci. Merci pour toutes vos questions que vous nous envoyez. Rendez-vous mardi prochain pour une autre thématique. Merci.